Nathalie Nadeau, chamane urbaine à nathalienadeau.com. Mon intention est de vous inspirer dans votre voyage personnel et spirituel. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez la petite cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je vous parle de paix et d'avoir et de se donner le droit d'avoir la sainte paix. On en a tous besoin et en fait, c'est absolument nécessaire. C'est qu'il faut créer des moments où on a la paix. On est constamment sollicité, que ce soit par le travail, les collègues, les enfants, les demandes, les courses à faire, les responsabilités, les réseaux sociaux, les travaux. Que ce soit parce que notre cellulaire est toujours ouvert en permanence, qui est à côté de nous, puis que chaque dingue nous fait plonger dans le monde hypnotique du World Wide Web. Il n'y a rien de mal à ça en soi parce que le web, c'est vraiment une source infinie de connaissances et d'informations pertinentes. Mais le problème, c'est le temps. Peu importe ce qui occupe votre temps, tout le temps. Aujourd'hui, tout est à peu près accessible vraiment instantanément et donc le temps devient moins important, c'est plus respecté comme avant. Tout doit se faire comme maintenant, puis on oublie de s'arrêter, on oublie de vivre le moment présent, on manque toujours de temps. On répond aux demandes de tout le monde, on met tout dans la cour de maintenant, il faut que ça soit fait maintenant, et tout devient urgent, et on oublie de se sacrer la paix de temps en temps, de s'éloigner de tout ça, de prendre un recul et de s'accorder du temps. Prenez le temps juste pour vous, tout simplement, ce week-end, cette semaine, donnez-vous la permission d'avoir la paix, la sainte paix, parce que à force de courir après le temps, on oublie vraiment qui on est profondément.